Salut maman, je voulais te souhaiter un bon 70e, bonne fête. J'espère que ça va être la plus belle année de ta vie. Et puis, même si tu vieillis puis que tu commences à moins nous entendre, ben, tu auras juste à prendre une coupe de vin de plus. Je t'aime. Bonjour Francine, alors écoute, petite pensée pour toi en ce jour d'anniversaire. Alors, je te souhaite une belle journée tout en douceur. Je te fais la bise, hâte de te revoir. Et puis écoute, Marc et moi, on te souhaite une très, très belle, belle fête. Bisous, bye bye. Service et quand j'ai besoin de quelque chose, tu m'aides et quand j'ai des blessures, tu m'aides aussi et c'est pour ça que je t'aime. Tu m'amènes à des places et t'es très gentil. Bonne fête, grand-maman! Je t'aime! Bye bye! Non, mamie, je vais te dire que je t'aime parce que je trouve que quand on vient chez toi, tu t'occupes toujours bien de nous. Puis c'est le fun d'être avec toi. Puis aussi tu cuisines bien. Bonne fête! Je t'aime parce que t'es vraiment drôle quand tu racontes des histoires puis t'es vraiment fine. Puis c'est vrai que tu cuisines bien. Bonne fête! Tim, bonne fête! Je t'aime parce que t'as tout le temps porté la joie partout où tu vas. T'es la personne la plus souriante que j'ai vue. J'ai toujours eu du fun avec toi. Puis tu t'occupes très bien de tes petits-enfants. Bref, je t'aime. Tim. Bonjour ma belle Francine! On nous a demandé de faire une vidéo et Michel et moi avons pensé de le faire sous forme d'acrostiche. Alors, nous t'aimons parce que tu es... Formidable. Rayonnante. Amicale. Naturelle. Curieuse. Intelligente. Novatrice. Enfin, tout ça pour te dire que c'est vraiment toi. Dommage que tu n'aies pas de V dans ton nom. On ajouterait que tu es la voisine parfaite. Alors, bon anniversaire, Francine. Je te souhaite une belle année et amuse-toi bien. On t'aime. Bisous. Salut, Francine. Moi, je t'aime parce que malgré le fait que j'ai été imposé il y a environ 22 ans et un petit peu plus, à chaque fois que je vais chez vous ou que je te rencontre au Québec ou en Floride, toujours le grand sourire, toujours contente de me voir. Moi aussi, je suis toujours content de te voir. J'espère que ça ne changera pas, même si tu es rendu un petit peu vieille. Bye! Salut Francine! Je t'aime parce que tu ressembles à Emmanuel et puis j'aime Emmanuel, fait que c'est aussi simple que ça. Je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de bisous. Bye! Je t'aime parce que, en deux mots, j'irais spaghettis sec. Non, mais pour de vrai, tu nous as élevés, tu continues à être dans nos vies, à nous voir aller. Je t'aime parce que tu as fait des desserts de feu et tu me donnais des doggy bags, mais aussi parce que tu as été et tu continues à être une mère merveilleuse. Tu m'as laissé dormir jusqu'à 3 heures l'après-midi pendant tellement longtemps. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, j'en profite beaucoup parce que je dors plus. Puis, mais tu ne dormais pas jusqu'à 3 heures du matin parce que tu t'inquiétais, parce que je revenais tard puis je faisais des niaiseries. Je le savais, je me sentais mal, mais en même temps, j'aimais tellement ça parce que c'était clair que tu me laissais libre de faire mes niaiseries. C'était clair qu'il fallait que je fasse des niaiseries parce qu'on a tout fait. Mais tu comprenais aussi, et tu étais très clair avec ça, qu'il fallait être responsable de ses niaiseries, de ce que ça faisait, qu'il fallait se lever le matin pour aller à l'école, qu'il fallait aller travailler. Donc, je pense que je suis extrêmement responsable quand même si je continue à faire mes niaiseries. C'est ce qui fait que ma vie est aussi intéressante, c'est parce que tu m'as élevé comme ça, puis je pense que tu es une grande partie. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je t'aime beaucoup pour ça. Je t'aime pour la femme que tu es. Je t'aime pas juste parce que tu as été et tu continues à être une mère merveilleuse. Je t'aime vraiment pour la femme que tu es. J'aime la femme qui s'émerveille tout le temps encore. Je me rappelle quand on sortait pour aller voir les aurores boréales sur le boulevard Saint-Jean dans le temps. C'est le genre d'affaires que je continue à faire. Je vais sur mon balcon checker les étoiles. Puis je pense encore à toi. Comment
c'est important de s'émerveiller. C'est quelque chose que tu continues à nous montrer. Puis j'en suis vraiment reconnaissant. Puis je t'aime beaucoup pour ça. Je t'aime pour la femme créative que t'es. Je l'ai pas mis là pendant tout pour que ça fitte dans la vidéo. Puis j'aime la femme qui était super ouverte d'esprit. Je pouvais parler de n'importe quoi. Puis je vais toujours me rappeler. Puis je sais que je parle souvent de religion parce que j'haïs la religion. Puis à un moment donné, j'étais venu te voir. Puis j'avais dit, je pense que j'aimerais ça être en morale. Puis tu m'avais posé des questions. Tu m'avais pas jugé pendant tout. Tu m'avais juste posé des questions pour savoir si vraiment ça venait de mon fond. Puis c'était les bonnes raisons. Tout ce que tu voulais catcher et comprendre, c'est si j'étais logique dans ma prise de décision. C'est le genre de femme que t'es, c'est le genre de logique que t'as, c'est ce qui a fait qu'on est devenus les enfants qu'on est, pourquoi qu'on est aussi successful, brillant, fantastique. Évidemment, le cerveau qu'on a, il vient du tien. La manière qu'on pense vient beaucoup de toi. J'en suis éternellement reconnaissant. Je pense qu'on t'aime pour les bonnes raisons. Je t'aimais vraiment beaucoup quand tu venais dans mon lit. Puis que tu me disais que tu m'aimais gros comme le soleil. Puis je t'aime vraiment encore beaucoup, vraiment beaucoup gros comme l'univers. Je t'aime. Je t'aime parce que, premièrement, tu nous as mis au monde. Donc ça, c'est la plus belle chose, je pense, que tu as faite. Je blague. Mais je t'aime parce que tu nous as bien élevés. Bon, tu nous as pas montré la patience, mais tu nous as montré à être respectueux. Tu nous as montré à prendre soin les uns des autres. Tu nous as montré à être passionné. Et tout le monde va s'entendre pour dire que tu es une personne qui est gentille, qui est aimante, généreuse, qui prend soin des gens. Mais continue et reste comme ça. C'est comme ça qu'on t'aime. Je t'aime. Bonne fête. Allô, maman. Moi, maman, là, je t'aime parce que tu es vraiment une mère extraordinaire. J'ai regardé les albums photos là, cet après-midi de quand on était petits, puis ça m'a frappé encore comment tu pouvais être une mère sacoche. On était quand même 4 enfants, là. Mais je regardais comment qu'on était habillés, tout le temps avec des belles petites robes. Puis je me souviens que c'est toi qui faisais la couture. On mangeait tout le temps super bien. La maison était spick and span. T'avais du temps pour nous. T'étais vraiment une mère dévouée. Une mère très, très juste aussi pour les 4. Jamais on a pu dire qu'un a eu plus qu'un autre. Et puis, t'as fait de nous vraiment des enfants super bien élevés parce que t'avais les valeurs à bonne place. T'es encore à la bonne place d'ailleurs. Mais tu peux être fière de ce que t'as fait de nous. Vraiment, moi je suis fière en tout cas d'être ta fille. Je suis fière de ce que je suis devenue grâce en grosse partie à cause de toi. Puis, je suis super contente des moments qu'on a passés ensemble dernièrement. Il faut continuer ça. Donc, pour ça, ben, faut que tu vives encore des dizaines et des dizaines d'années. Parce que c'était le fun. Puis, je veux retourner en Floride pour passer du temps avec toi. Bon, avec Jean-Jacques aussi, là, mais avec toi. Puis, ben, je t'aime vraiment, vraiment fort, maman. Puis, t'es une mère en or. Je te souhaite un 70e anniversaire. Vraiment à la hauteur de ce que t'es. Tout à fait extraordinaire. Je t'aime, maman d'amour. Bye. Je t'aime, maman, parce que tu es généreuse, bienveillante, accueillante et intuitive. On ne peut absolument rien te cacher, tu devines absolument tout. Je t'aime aussi pour ta grande disponibilité et ton infinie, mais très infinie, patience lors de ma très très longue adolescence de 30 années. Et comme mes filles disent, c'est toujours bon chez mamie. Passe une super belle journée. Je t'aime, Francine, parce que t'es ma meilleure chum. T'es mon meilleur chum. Du sexe opposé, évidemment. Puis un meilleur chum, habituellement, ben, c'est une personne honnête. C'est une personne sincère. C'est une personne bienveillante. C'est une personne joviale, intelligente, etc., etc. Alors, bon 70e, Francine. Je t'aime, puis bienvenue encore une fois, je te l'ai déjà dit, dans le club des septuagénaires. Salut, bye, bonne fête encore. Hein?